Le maire de la ville de N'Djamena et ses des communes des 10 arrondissements de la capitale réunis au grand complet autour du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena pour lancer une vaste opération de salubrité baptisée N'Djamena donne l'exemple. Une opération qui vise à donner un nouveau visage à la capitale et servir d'exemple aux autres villes du pays. À travers cette activité, nous osons croire interpeller non seulement les citoyens de la ville de N'Djamena, mais que tous les Tchadiens des autres villes puissent suivre cet exemple, afin que non seulement N'Djamena, mais les autres villes de notre pays soient également propres. L'opération a commencé par la démolition de ce mini-restaurant installé anarchiquement dans l'espace public aux abords de la place de la Nation. Ensuite, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Adun Forte Amadou, accompagné des maires, s'est rendu sur le site retenu dans les 10 communes des arrondissements de la capitale. Une manière pour lui de constater l'effectivité de l'opération et d'encourager les agents de nettoyage. 5 600 balayeuses et balayeurs seront mobilisés pour une semaine durant afin de redonner à la capitale un visage salubre.